avec ce soir Claude Sarraute, Valérie Mérès, Jean-François Derecq, Perry Cochin, Arnaud Gidois et... Ah ben oui, c'est Gérard Miller. Ah Gérard, vous êtes devenu le roi du gag. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, je vous explique. À la télévision, pour faire passer un message, il faut frapper les esprits. Donc là, je voulais vous rappeler à tous qu'aujourd'hui, on est le 20 mai 2003. Et que le 20 mai 1983, on découvrait malheureusement le sida. Et qu'aujourd'hui, ça a fait 25 millions de morts. Donc je voulais rappeler qu'il faut sortir couvert, que c'est indispensable. Et dans cette perspective... J'ai toujours pensé que vous aviez une tête de nœud. J'assume. Et dans cette perspective... Laurent, si vous permettez, dans cette perspective, de soutenir l'association AIDE, qui lutte entre autres contre le sida et qui rappelle que le sida se féminise malheureusement. Donc je vais offrir pendant quelques instants des préservatifs à des jeunes femmes ou à des femmes, parce que c'est indispensable. Mais vous en faites une démonstration à l'appui ou... Et je ferai des démonstrations à celles qui le souhaiteraient plus tard. Alors, quelle taille tu nous proposes? Dans un bon usage. Claude, vous m'auriez essayé? Pas qu'on en fait à la vanille, au chocolat, mais quand même. Ah oui, ça serait pas mal, ça, c'est... Vanille, chocolat, vanille, chocolat, vous en voulez? Claude. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle publiée par le journal Le Figaro. Regardez cette photo. Non, ce n'est pas une réunion sadomaso. C'est pas écrit CSA, c'est écrit FLNC. En effet, des nationalistes corses ont organisé une conférence de presse clandestine dans la nuit de dimanche à lundi. Et ce, quand même, à 3 jours de l'arrivée de Nicolas Sarkozy en Corse. Ils ont revendiqué 31 des attentats commis en 2002. On espère que le ministre de l'Intérieur va faire comme pour les rêves partis, annoncer lors de son voyage que désormais les réunions clandestines du FLNC devront faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à la préfecture, disons 2 ou 3 jours avant qu'elle saute. Gérard. Front de libération nationale de la connerie. On méfie toi. Moi, ça vous remettrai votre place. Toute la presse revient aussi évidemment ce matin sur le courage insensé de Dominique Baudis qui, dimanche soir sur TF1, a tenu à démentir une rumeur qu'à peine 10% des téléspectateurs devaient connaître avant qu'il nous l'annonce lui-même. Conclusion, Dominique Baudis est sûrement innocent, mais il est quand même un peu maso. Perry. C'est pas pour prendre sa défense parce que je ne connais pas du tout cette affaire, mais en tout cas, tout le monde a dit, et la presse s'est jetée sur le fait qu'il avait énormément transpiré lors de cette intervention. Ouais. Il faut juste préciser qu'il a toujours transpiré, ce monsieur, et que c'était pas la seule et unique fois. Même quand il n'avait rien à justifier ou rien à expliquer, il a toujours transpiré, et dans d'autres émissions, on l'a vu transpirer comme ça. Mais quand bien même transpirerait-il à cause de ça, en fait? Ou en revanche, vous nous faites suer. C'est un peu dur, il vit un truc un peu dur, donc il est normal de... Et un sociologue, ce matin, dans Le Parisien, qui est interrogé, qui dit, je trouve ça très intéressant, qui dit qu'il n'aurait pas dû aller à la télé, parce que aller à la télé parler de quelque chose que tous les gens ne savent pas, c'est multiplier par 3 ou par 4 le nombre de gens au courant d'un truc. C'est-à-dire qu'un... Alors, il n'y serait pas allé. Il y a des gens qui auraient dit, il a fermé sa gueule, alors ça doit être vrai. Non, alors là, vous pouvez exagérer. Claude. J'étais pas au courant du tout, moi. C'est lui qui m'a mis au courant. Voilà. Oui, mais tu l'as reçu le lendemain, la presse, toute façon. Peut-être pas, parce que ça a pris énormément de bruit à cause de cette intervention. On en parle partout. Quelqu'un qui est mis en examen et présumé innocent a plus forte raison quelqu'un qui n'est accusé par personne pour l'instant devant la justice. Évidemment. C'est insupportable. Moi, je soutiens, mais à 100% Baudis. Je trouve qu'il n'y a pas la moindre nuance à apporter. On est dans un pays de justice. Les intuitions, les gens qui disent « Oh, mais il a fait ceci, il a fait cela », mais vous n'en savez strictement rien. Je déteste la justice sur la place publique. Oui, d'accord, mais on ne fait que commenter ce qu'il y a dans tous les journaux aujourd'hui. On ne fait pas... Ce qu'on peut commenter, c'est le fait qu'on a de la sympathie pour lui parce que la justice suit son cours. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout, mais pour l'instant, cet homme est à 110% innocent jusqu'à ce que la justice nous dise autre chose. Allez,
Autre photo, celle des fonctionnaires qui, hier, enseignants en tête, il faut bien le dire, à travers la France, ont à nouveau manifesté contre le projet de réforme des retraites. Sur cette photo, on voit hier tellement de banderoles et tellement de choses écrites sur les banderoles qu'on n'arrive même plus à lire une seule banderole. C'est bien les profs, ça. Faut toujours que le programme soit trop chargé, vous voyez. C'est vrai. Alors sur le même sujet, une autre photo, celle du ministre de l'Éducation, dont le journal Libération nous dit ce matin que son sort semble déjà scellé. Il va être débarqué. Pourquoi Ferry sera débarqué? Le célèbre monsieur du snob, hein, je vous rappelle la ressemblance, le célèbre monsieur du snob risque de devoir quitter prématurément l'île aux enfants. Mais attention, il ne faut tout de même pas oublier que dans tout ça, le vrai responsable, c'est Casimir. Restons dans la politique avec cette photo du Parisien qui nous rappelle que Malek Bouti, président de SOS Racisme, fait désormais partie des instances dirigeantes de SOS Socialisme. Comme il vient d'arriver, bah, on peut dire que le projet du PS n'est pas encore abouti. Un commentaire ? Moi, je suis mal placé. Je le connais depuis des années. Chaque fois que les gens l'ont entendu parler depuis ces derniers temps, tout le monde l'a trouvé formidable, y compris des gens très éloignés mesuré, de la gauche. Très mesuré, très responsable. Je trouve que c'est formidable pour le Parti Socialiste. C'est une aubaine incroyable. Est-ce que ça ne veut pas dire que le PS prend ses Harlem Désir pour des réalités? Un peu de sport maintenant avec cette photo incroyable. Une photo des championnats du monde de tennis de table à Bercy qui ont commencé hier. Regardez, c'est fou. Alors évidemment, pour pouvoir suivre tous les matchs, il y a intérêt à être plusieurs en même temps plutôt que... je ne sais pas comment on peut suivre une compétition pareille à Bercy. Alors plutôt que d'agrandir les balles, vous savez qu'ils ont agrandi les balles pour que le sport soit plus télégénique, ils auraient dû agrandir les tables à mon avis. Alors pour la finale, pour que ce soit vraiment suivi, ils devraient l'organiser au point virgule. Moi, j'aime bien le tennis de table, sauf quand la table n'est pas débarrassée. Alors, c'est chiant, tu fuses pas. Ça, c'est vrai. Allez, on termine par la polémique qui oppose Elisabeth Tessier, l'astrologue qui déchante, et Françoise Hardy, la chanteuse des astres. Françoise Hardy, en pleine promo, vous le savez, pour son livre, ayant souvent répété un peu partout sur toutes les télés en ce moment, qu'on ne pouvait se servir de l'astrologie pour faire des prédictions. Elisabeth Tessier, sa concurrente, répond aujourd'hui dans François que la chanteuse est jalouse d'elle, et donc, Mme Tessier a envoyé à François la raison, selon elle, de cette jalousie. Regardez la photo. C'est une photo, donc, que Mme Tessier a envoyée elle-même à François, une photo où on la voit alors qu'elle était encore mannequin à l'époque, et une photo qu'elle avait faite avec Jacques Dutronc, le mari, compagnon de Françoise Hardy. Ils avaient posé ensemble pour le magazine Lui. Signalons quand même, quand on regarde bien le détail de cette photo, que c'est bien le genou de Jacques Dutronc qu'on devine sous le drap, sous la main du chanteur, parce qu'une prédiction matinale comme ça, c'est pas possible non plus. Hein. C'est d'autant plus marrant comme photo que Dutronc et Tessier sont deux mots qui vont si bien ensemble. Derek. Vous savez, Laurent, bon, je vous apprends rien en vous disant que c'est une photo qui est honteusement truquée. Ah oui? Bah oui, ça a été fait, ça c'est très net pour nuire à Madame Tessier. Vous savez que nous, on a tout essayé, on recule devant rien, et on a retrouvé la vraie photo. Et la vraie photo, c'est celle-là. Ah oui, c'était avec Mitterrand. Et voilà. Daniel Valera. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, Daniel Valera est cireur de chaussures, mais pas comme Stéphane Bern, non, il est cireur de chaussures au sens propre. Et depuis 10 ans, il exerce son métier à Cannes, pas loin du Palais des Festivals, ce qui veut dire qu'il a frotté les pompes, les chaussures, des plus grands. Ses 1001 anecdotes sur les chaussures des plus illustres, vous pourrez les retrouver dans son livre « Le cireur du festival », sorti en avril aux éditions Turnover. Pour tester ensemble le cireur des stars, appelons-le ainsi, accueillons le cireur du festival, Daniel Valera. Bonjour. Vous avez quitté Cannes et la Croisette pour nous, alors? Je sais que j'ai de la chance d'être avec vous. Et je vais essayer de réussir mon « on a tout essayé ». Bon, ça c'est une première chose. Merci de nous cirer les pompes, pour commencer. Depuis combien de temps vous êtes tireur de chaussures? Depuis 9 ans, à l'aéroport de Nice, j'ai commencé. Et puis il y a 7 ans, on m'a proposé de le faire à Cannes et j'ai accepté de suite. Vous cirez combien de paires de chaussures par jour à peu près? C'est très, très irrégulier. En pleine période de festival, voilà. Ça peut aller de 20 à 30 par jour. Et les mauvaises journées, ça va à 5-6 journées. C'est un métier très rare en France. Hein. Vous êtes très peu nombreux. Je crois qu'on doit être 10 à le faire professionnellement parlant.
Et ce livre, justement, c'est un peu un hommage à mon beau métier que les gens en France ont un peu dévalorisé. Dommage, il y a l'expression « cirer les pompes », il y a un peu tout. Mais moi, je tiens à dire que qu'on soit au pied des gens, alors cirer les chaussures, ou en train de coiffer les cheveux, ou en train de... Du moment qu'on fait ce métier avec le cœur, qu'on fait la chose avec le cœur, tout va bien. Vous dites d'ailleurs qu'une fois, une dame vous a humilié à l'aéroport en disant à son enfant de 10 ans que s'il ne travaillait pas bien à l'école, bah, il fera comme vous. Exactement. J'étais très gêné, mais j'ai répondu à son gamin en lui disant que si lui, il avait encore moins de chance dans la vie, plus tard, il serait comme sa maman. Gérard. Moi qui adore le cirage, qui adore les chaussures bien cirées, c'est vrai, couper les cheveux, c'est pas plus indigne ni plus digne que votre profession, mais on est parfois un peu gêné d'avoir quelqu'un à ses genoux. Il faudrait réussir à vaincre ça. Moi, je dois dire que je n'arrive pas. Je vous comprends tout à fait, mais depuis 8 années, ces gens qui viennent se faire cirer les chaussures ont compris cette gêne. Et il s'est passé quelque chose entre nous qui est magnifique, c'est-à-dire un respect mutuel. Cirer les chaussures dans un hall d'aéroport ou dans un palace à Cannes, devant plein de gens, c'est très difficile. Mes clients l'ont compris et au contraire, à la place de me dévaloriser, ils me valorisent en fait. Les gens choisissent d'aller surtout vous voir. Qu'a priori, surtout qu'a priori, dans les grands hôtels comme ça, si vous voulez vous faire lustrer les chaussures, il suffit de les laisser dans un sac ou je sais pas quoi pour la femme de chambre, voilà, et elle les emmène au service. Pas, ça. Ah bah bien sûr, c'est comme, comme nettoyer les freins, comme si t'as besoin de faire dans les hôtels, moi où je vais, il y a des trucs avec des brosses et puis vous mettez le pied dedans. Aussi. Il y a le pied qui rentre et vous n'arrivez pas à enlever. Il y a ça parfois, mais très souvent. Et puis alors, connement, moi souvent j'ai des chaussures noires, c'est du marron qui sort. Non, mais très souvent dans les palaces, aussi bien on peut se faire faire... Enfin, on peut se faire... Lustrer, vous êtes fait lustrer dans les palaces pas mal. On peut se faire entacher son costume. Pardon, Pierre. S'en fout. Vas-y. Oh, quoi, on en est. Non, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a certaines vedettes, certains artistes, vous racontez tout ça que vous avez croisé, qui eux ne viennent pas se faire cirer les chaussures. Vous parlez de Jamel, par exemple. Tout à fait. Lui a dit d'abord, j'ai des baskets, donc on ne cire pas les baskets, ça exactement, vous confirmez. Exactement. Et alors, il est revenu vous voir le lendemain, et lui a dit j'ai acheté des chaussures, je ne veux pas que tu me les cires, mais en revanche, tu me montres comment bien les cirer. Exactement, ça, c'est tout pas à mal. Fait ça. Et là, donc, je viens de Cannes et je lui ai présenté mon livre. Et j'ai eu la chance aussi d'être invité, d'avoir eu un reportage sur une chaîne concurrente. Jamel a vu le reportage, m'a félicité et ça m'a fait chaud au cœur, en fait. Bon. Et ce livre, en fait, c'est une histoire d'amour. D'ailleurs, il n'est pas sorti dans le circuit traditionnel. Ce sont des gens qui ont investi pour moi. C'est des copains à vous. Oui, tout à fait. Qui vous font un cadeau, en fait. Qui m'en font un cadeau. En fait, je vis un conte de fées. C'est vous qui l'avez écrit ? J'ai été aidé par une dame qui s'appelle Marie-Christine Lemarchand, à qui j'ai raconté mon histoire. Formidablement écrit. Et merci pour elle. C'est une histoire d'amour, du début à la fin. Donc, il y a des stars qui se font cirer les pompes, mais ma propre histoire d'amour, qui est réelle... Avec Astrid. Avec Astrid, que j'embrasse. C'est une dame qui a... On a 18 ans d'écart, en fait, et cette dame m'a apporté beaucoup dans ma vie. Par contre, est-ce qu'il y a des artistes un peu chiants, un peu imbus d'eux-mêmes, un peu... Ah oui, balancez des noms. Ah oui. Voilà. Ah oui. Hein? Vengez-vous. Non, parce que... Quels sont ceux qui manquent de talons? Oui, des mecs qui puent des pieds, carrément, allez, on y va, là. C'est vrai qu'il parle surtout des gens qu'il aime. Hein. Je n'ai pas eu quelqu'un qui a été désirable avec moi. Jamais, jamais, attends, jamais. Écoutez, jamais. À part cette dame-là. Ce qui est très touchant, c'est la rencontre avec Guillaume Depardieu, qui montre à quel point Guillaume est quelqu'un. Mais ce que je tiens à dire à Guillaume, c'est qu'il a montré à tout l'aéroport de Nice qu'il n'y avait pas honte à être cire de chaussures. Il m'a remis son badge du festival en me disant... Ne le prends pas pour le nom, prends-le pour le prénom. C'est un homme que j'adore, qui est vraiment dans mon cœur. Et tous ces gens qui font, je vais en citer au hasard, comme Michou, qui est un personnage fantastique. Ah, alors lui, il faut du cirage bleu. Je l'ai. Ça, j'ai vu ça. Vous avez du cirage bleu. J'ai du cirage bleu. C'était au cas où il y a un schtroumpf qui débarque. Non, parce que j'ai fait connaissance de Michou. Et il m'a dit, c'est super ce que tu fais, mais moi, il me faut du cirage bleu. Et j'ai été voir un cirier parisien et j'ai trouvé ce cirage pour lui. Et juste pour terminer avec Guillaume, de tout mon cœur, bon rétablissement et que ça se passe bien pour lui. Évidemment. Moi, j'aimerais qu'on vous offre un cadeau avant que vous nous quittiez. Est-ce que quelqu'un parmi la bande là, aimerait venir cirer les chaussures de Monsieur Daniel Valera? Péricochin, vous venez cirer les chaussures de Daniel. On peut quand même. Pas de problème. Tenez, regardez, on va installer ce qu'il faut au centre. On va inverser les rôles pour une fois. Alors, on va faire comme ça.
Oui, dites-moi tout. Si c'est des clientes, c'est sympa, je veux bien prendre ta place. Hein. Et tu n'as qu'à baisser ton cube. T'es assise sur un baisse cube. Ton cube. Oui. Baisse ton cube. En gros, c'est mieux parce qu'on peut aller partout. D'accord. Un peu de technique, hein, s'il vous plaît. Allons-y. Sur la trépointe. Voilà, hop, hop. On savait que Péricochet était dans le cirage, mais on en a la confirmation ce soir. Oh, dis donc. Attention, ta manche. Ça sent bon, ça sent bon le cirage. Ça veut dire que t'es en train de lui cirer les chaussettes, là. Oui, parce qu'elles étaient blanches au départ. Bon, j'ai pas tellement fait derrière, j'ai pas fini. Non, oui, faites. En fait, tu vas pas nous faire l'émission, Perry. Et tant qu'on dit pas de m'arrêter. Vous avez terminé ça en coulisses. Allez, on remercie Daniel Valera et Perry Cochin, le fureur du festival. Merci à vous. C'est ce temps moment. Allez, Perry, on rentre. Merci beaucoup, Perry. Vous pouvez trouver le livre sur Internet. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Au revoir. En ce moment, sur les Champs-Élysées à Paris, a lieu, vous le savez sûrement, l'exposition Le Train Capital. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des trains partout sur les Champs-Élysées. Il y a peut-être même là en ce moment, c'est même là qu'il y en a peut-être le plus, on ne sait pas. C'est vrai, c'est assez curieux d'ailleurs. 32 wagons sont installés sur la plus belle avenue du monde, les Champs, de la plus ancienne locomotive à vapeur jusqu'au TGV le plus récent. C'est donc toute l'histoire ferroviaire que vous pouvez contempler sur ces quelques centaines de mètres. Pour Dan Bolander, le train n'a pas sifflé. Deux fois, il a testé pour nous prendre le train sur les Champs-Élysées. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. A tout de suite. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé prendre le train sur les Champs-Élysées. Coucou Tagolski. Chouache, quoi, oui. Est-ce que vous avez les trains Chartres, ici? Chartres. Les trains pour Chartres. Il faut aller à la gare, c'est pas la gare. Ici, la gare. Non, c'est pas la gare ici. Si, ici, les trains, ici, la gare. C'est exposition. Exposition. Qu'est-ce que c'est? Exposition, mais pour les. Pour les touristes. Pour les Chartres. Je connais pas, je sais pas. I don't know. Ici, gare. Non, pas gare, non. Champs-Élysées. Oui, mais c'est les pas. Les gares Champs-Élysées. Non. Chartres. Non, c'est pas celui-là, il va nulle part celui-là. Il marche pas, il roule pas. Il faut aller à la gare. Ici, il y a la gare. Non. À quelle heure? À quelle heure il part? Si. C'est compliqué. Non, c'est pas bon. À 18h. À 18. Mais pas celui-là. Pas celui-là. C'est nous, là. Mais non. Il n'y a pas la route qui va jusqu'au train. Le train, il s'arrête ici. Il va pas le charger. Mais il est fou, lui. Hier soir, j'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez. SNCF. Chartres. Mais ça, c'est pas un train qui s'en va d'ici, hein. Il bouge pas d'ici, hein. Ici, ce sont les Champs-Élysées. C'est gare Champs-Élysées. Ici, ok. Ici. Non. Ok. Ah, les billets, contrôle, les billets. Ce train ne bouge pas, donc. Je vous demande de sortir, je suis obligé de fermer. Non. Vous voulez aller où? À Chartres. Chartres, non stationné ici. Si, moi je stationne ici. Non. Ah si? Exposition. Hein? Exposition pour regarder, pour. Hein? Pour regarder. Faut savoir. C'est un peu ouf ou quoi? Et nous, les trains pour Chartres? Non, c'est pas une gare ça. Exposition ça. Ici, les trains. Mais non. Quel est le numéro? C'est pas la gare, ça. Si, ici, la gare. C'est pas la gare. Ici, il y a les trains, ici. Mais c'est pas la gare. Vous êtes ici, là. Ici, la gare. Là. La gare. Ici. Non, c'est pas la gare. La ici. Gare Champs-Élysées. Ici, c'est pas la gare, ça. C'est pas la gare. Ça, c'est les trains. C'est le train, mais c'est l'exposition. C'est ici. Ah. Ici, nous, ici, là. Mais non, colonne de dîme. Mais comment que... Qu'il faut vous expliquer. Bravo à Dan Bolander, Frédéric Sio. L'organisateur de cette exposition s'appelle Gad Veil. Il est accompagné par un spécialiste des trains, monsieur Philippe Mirville, qui lui est responsable du service presse de la SNCF et vice-président du musée de chemin de fer de Mulhouse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, je vous en prie, installez-vous.
Vous êtes venu avec des casquettes de l'exposition de train capital. La casquette du chef de gare. Oh là là. On va aller la distribuer. Voilà, écoutez, parfait. Vous êtes monsieur Philippe Mirville. Tout à fait. Vous êtes vice-président. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas vu la tête avec ça. Bon, alors comme ça, peut-être j'aurais l'air un peu plus rapport. Moi, je le mets pas, je trouve ça ridicule d'avoir un truc rouge sur la tête. Très drôle. Alors, Philippe Merville, lui, est déjà organisateur, quelque part, d'expositions liées au chemin de fer, puisque vous êtes vice-président du musée de chemin de fer de Mulhouse. Tout à fait, à Mulhouse. C'est un musée qui est ouvert depuis 30 ans maintenant, depuis 1971. Ouais, ça, c'est toute l'année, évidemment. Voilà. Et qui présente 100 pièces de collection de la locomotive la plus ancienne, notamment celle qui est sur les Champs-Élysées, jusqu'à bientôt, peut-être, un TGV, dans les années à venir. Vous avez prêté certains de vos trains, ou de wagons, en tout cas, à Gad Veil, pour l'expo Train Capital à Paris. Voilà, on a travaillé avec Gad, et on a prêté 10 véhicules qui viennent du musée de Mulhouse, qui sont venus soit par la route, soit par le rail, parce que c'est très difficile pour les amener jusqu'à Paris. Ils sont exposés jusqu'au 15 juin. Alors, vous, Gad Veil, vous êtes le spécialiste des trucs un peu tarés, quand même, faut bien dire. Alors, les aventures déjà, collectives. Les champs de blé sur les Champs-Élysées, c'était vous, ça? Avec Dominique Menu et notre équipe, absolument. Ça, c'était en quelle année, ça? 13 ans, déjà. Il y a 13 ans, déjà. Oh, 13 ans, c'est 13 pas ans. Vrai. Ah, alors, voilà, maintenant, qu'il y a une trentaine de trains, combien? 32 pièces à l'échalin et beaucoup de maquettes sous des tentes. Il y a des trains miniatures, il y a toute une série d'animations. Les cheminots racontent leur métier tous les jours au public. Et surtout, les cheminots accueillent le public et leur font visiter l'exposition. Mieux que celui qui a accueilli Don Bolander, j'espère. Ouais. Vous avez vu ça? C'était pas vraiment un cheminot. C'était plutôt du public qui... C'est extraordinaire. Les gens s'approprient tellement les trains qu'ils racontent eux-mêmes leur histoire de train. Elle est gratuite, cette expo? Elle est gratuite, absolument. Bien sûr. Ouais. Un grand événement populaire, gratuit. Sur les Champs-Élysées. Et la nuit, on peut aller la voir? La nuit, elle est encore plus belle parce qu'elle est mise en éclairage. Elle est presque romantique, voire poétique. Il y a même des vaches, j'ai vu. Hein. Oui, oui, parce qu'on ne pouvait pas imaginer une exposition ferroviaire et ne pas voir les vaches qui passent les trains. Et je vous rappelle que le 1er juin, nous ferons véritablement rouler un train sur la chaussée, sur les Champs-Élysées. Ce sont en fait les trois voitures corail qui sont à Concorde. Nous allons les sortir de l'exposition, poser une voie ferrée dans la nuit et faire rouler le train. Alors là, j'ai pas compris l'intérêt. Pour changer. Je crois que pour aider Laurent Quai à mieux gérer la situation, on va lui donner un sifflet de cheer yoga. Ah oui, voilà ce qu'il faudrait. Ils veulent toujours tous parler en même temps. On va obligé. Le sifflet. Le sifflet de cheer yoga. Mais sinon, on en a, alors là, ça va être le bordel. Allez, allons-y. Nos retraites. Nos retraites. La parole est à Perry Cochin. Ah, merci. Là, je vois pas très bien, très honnêtement. Les trains, il existe un musée où on peut aller voir les très vieux trains. Et puis, les plus récents, on les voit tous les matins, mais t'as vu la gare. Bien sûr que j'ai aimé la voir. Formidable. D'abord, c'est extraordinaire de voir ça sur les Champs-Élysées, dans des endroits familiers où tu passes sans même t'arrêter. Mais l'intérêt, je dis pas que c'est mieux. C'est gratuit. Vous les voyez tous d'un coup, Perry. C'est ça l'originalité. C'est qu'on raconte une histoire qui commence en 1829. 15 gares pour voir les wagons. Moi, j'ai une vraie question. Allez, oubliez. Il y a 53 ans, j'en ai 77, alors même un peu plus, j'ai pris pour la première fois de ma vie un train de Paris à Cannes. Et je suis sortie de là, j'avais les cheveux entièrement noirs. Avec la vapeur. Mais écoute, et la fumée de bois, je ne sais pas ce que c'était. Non, c'était du charbon. Du charbon de bois. C'est les escarbilles qu'on appelle. Les escarbilles, c'était un cauchemar. Alors, c'est laquelle la mienne de locomotive? C'est la première. Alors, elle veut se faire une teinture. C'est la locomotive... Les locomotives à l'époque, c'était ce qu'on appelait des 141R, des locomotives qui étaient construites par les Américains après-guerre. Par contre, cette locomotive, elle est très lourde, elle fait à peu près 130 tonnes et il était absolument impossible de l'amener jusqu'à Paris. Le wagon présidentiel, ça, il doit être intéressant. Ah ouais. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Ouais, absolument. Alors, le wagon présidentiel, c'est une voiture, parce qu'on appelle ça une voiture pour les voyageurs. Elle a été transformée en 1954 pour les besoins de la présidence de la République. Et on a transformé une ancienne voiture, on lui a mis un blindage tout autour, évidemment, pour la protection. Et également, on a fait un salon et on a installé une chambre à coucher avec un lit très important qui fait 2010 de long, puisque cette voiture présidentielle a servi à transporter le général de Gaulle pour ses déplacements officiels. Ça s'est arrêté après de Gaulle ou ça continue? Non, on a une autre voiture qui a été construite par la suite, une voiture qu'on appelle Grand Confort. Pompidou s'en est servi? Voilà, Pompidou s'en est servi. Giscard? Après, non, Giscard d'Estaing, non. Péri. On n'a pas parlé de l'hommage qui était rendu à toutes les personnes qui ont travaillé à la SNCF depuis le premier jour. C'est le seul truc un peu intéressant, à mon avis, dans cette expo. Vous savez, c'est un travail d'équipe. Oh. Non. C'est dur. Carton rouge.
Moi, je trouve que dans toute situation, okay. il faut qu'il y ait le contradicteur, et c'est normal. Un dernier mot sur la polémique. Le maire du 8e arrondissement, François Lebel, lui dit qu'il y a un détournement de la place de la Concorde à des fins commerciales, que la place de la Concorde est transformée en foire par des sociétés privées. Alors, je crois que le maire du 8e a parlé un tout petit peu trop vite. Il a assisté qu'aux 3 premiers jours de montage. Il n'a pas vu arriver tous les trains anciens et tout le reste de l'exposition. Il faut peut-être lui reposer la question aujourd'hui. Bon, il dit, moi je m'attendais à une vraie rétrospective sur le train. Il disait, mais cette manifestation n'est qu'un prétexte pour présenter du matériel que l'on peut voir dans n'importe quel gare. Vous ne seriez pas la porte du maire du 8e? Pas du tout. C'est pour mettre. C'est fini, on est arrivé en gare. On vous remercie tous les deux, Philippe Turville. Et Gad Veil. C'est jusqu'au 15 juin sur les Champs-Élysées. Courez-y. Vendredi, à la fin de la semaine, sort dans toutes les bonnes librairies, comme on dit dans ces cas-là, Les scandales du sport contaminé aux éditions Flammarion, le livre Enquête, écrit par Éric Métro, journaliste sportif indépendant, un livre qui risque de faire grand bruit dans les fédérations. En effet, cet ouvrage apporte un éclairage nouveau sur plusieurs affaires sensibles dont on croyait tout savoir. Et bien, ce qu'on retient évidemment de tout ça et de ce bouquin, c'est qu'en gros, le sport de nos jours, c'est pas joli, joli. Richard Virenque, Peter De Villiers, Carl Lewis, même, ils se seraient tous dopés. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans ce bouquin. Pour tester ensemble le livre Les scandales du sport, accueillons tout de suite son auteur, qui a plus d'une ligne dans son sac, Éric Métro. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous ne devez pas être très aimé des sportifs, vous dites donc. Si. Ben, je vais vous surprendre. Ils sont assez contents qu'on leur donne la parole, justement. L'idée, ce n'est pas de leur faire parler de leur pratique de dopage, c'est de leur faire parler de pourquoi ils sont arrivés à se doper et de comment ils se sentent traités par le milieu du sport. Et souvent, il y a une très forte souffrance et un sentiment d'injustice. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plutôt partants pour s'expliquer. Bon, alors, là, c'est quand même un pavé dans la mare que vous publiez. Un nouveau, parce que c'est vrai que ce n'est pas nouveau, hein, les affaires de dopage, mais c'est un pavé de plus, on va dire. C'est le fruit d'un ras-le-bol. C'est-à-dire, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le sport et que je suis frappé par la langue de bois, l'hypocrisie qui tourne autour de cette question. On ne peut pas en parler, ça, c'est le tabou des tabous. Et donc j'ai eu envie un moment de, ouais, pavé dans la mare si vous voulez, mais en tout cas de libérer la parole sur cette question, et les politiques, les scientifiques, les sportifs, tout le monde s'exprime. Gérard Miller. Alors, juste une précision, vous évoquez l'affaire Festina, vous ne donnez pas tous les noms, il y a à un moment donné quelqu'un qui s'appelle Gérard. Vous êtes d'accord, c'est un pseudonyme. Mais, Gérard, souvenez-vous, juillet 98, vous étiez... Non, pas du côté de Roscoff. Non, justement. Non, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Non, c'est un Gérard. Vous avez suivi le Tour de France, vous, Gérard. J'ai suivi le Tour de France et je vais vous dire en 98. Voilà. Je veux dire que c'est une des impressions les plus fortes que j'ai eues dans le sport. Il faut dire que je ne suis quasiment jamais allé sur aucun terrain de sport. Alors aujourd'hui, le Tour de France, par exemple... Là, celui qui va avoir lieu cet été, sans Cipollini d'ailleurs, hein, on a lu ça dans les journaux ce matin, ils ne sont pas contents les Italiens. Est-ce que ce Tour de France, il va être propre? Est-ce que celui de l'année dernière était propre? Est-ce que Lance Armstrong, il ne se dope pas? Vous pouvez me répondre à toutes ces questions? Toutes? Ouais. Non, la grosse difficulté de la question du dopage, c'est que tant qu'il n'y a pas de test positif, on est dans le domaine de la diffamation, de la supputation. Tout le monde se pose des questions sur Lance Armstrong. Bon, il a gagné effectivement les Tours de France facilement, sans donner l'impression de souffrir depuis 1999. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il prend ? Même les responsables du Tour de France que j'ai interrogés, parfois avouent qu'ils se posent des questions, mais ils disent en l'absence de tests positifs, on considère que Lance Armstrong ne triche pas. D'accord, mais vous dites toujours, vous avez dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de preuve de dopage, on n'en parle pas. Mais seulement, enfin, on parlait des Jeux Olympiques en 84 et 88, avec l'équipe américaine, et pendant 10 ans, le comité américain olympique a quand même falsifié des preuves. Pendant 10 ans, ils ont menti. Il y a un énorme mensonge sur le monde olympique. Je vais donner un seul chiffre. Aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, il y a eu 1645 tests négatifs. Or, la RDA, dont on sait maintenant, grâce aux archives de la Stasi, que tous ces sportifs étaient sous stéroïdes anabolisants, voire hormones de croissance, la RDA a gagné 149 médailles. Donc ça veut dire que 1645 tests ont échoué. Pendant ce temps-là, il y a au moins 149 tricheurs qui ont gagné des médailles olympiques. Pourquoi alors? Pourquoi on ment? Pourquoi on cache des choses? Voilà.
financier. Parce que le but du sport aujourd'hui, c'est devenu, en fait, c'est une industrie de spectacle où les enjeux sont bien évidemment d'avoir le meilleur spectacle possible. Les chaînes payent très cher les retransmissions. Au-delà de ça, à un moment, vous dites que la lutte anti-dopage s'incline devant la raison d'État. Carrément, vous impliquez le ministre des Sports en disant qu'au moment de la Coupe du Monde, les Bleus... En 98. C'est ça qui est très grave. C'est grave, je trouve que vous y allez un peu fort en disant qu'on, quelque part, on a interdit les tests antidopage, enfin de dépistage plus exactement, et on ne sait pas vraiment pourquoi et que c'est, ça vient du ministre. Non mais très concrètement, dans cette affaire-là, c'est les 6 mois avant la Coupe du Monde en 98. On s'en souvient, ils étaient en vacances au sport d'hiver, les Bleus, c'était à Noël. Ils ont été contrôlés, ça a fait un tollé, etc. Après, l'équipe de France de football, évidemment. Le médecin responsable du ministère, donc le docteur Alain Garnier, qui témoigne dans le livre, dit qu'il a voulu continuer à faire des contrôles antidopage. Qu'il a questionné un membre du cabinet de Marie-Georges Buffet, qui lui a demandé 24 heures, en disant « seule la ministre peut répondre ». Qu'il est revenu le lendemain en lui disant « j'ai ta réponse, c'est non ». Et le docteur Garnier lui dit « tu peux me l'écrire ?» Et l'autre s'est marré en disant « bien sûr que non ». Donc on a stoppé... Mais pourtant, Mme Buffet, c'est celle qui a plutôt lutté contre le dopage. Oui, mais là, il faut comprendre qu'elle était en début de mandat, que la loi n'existait pas encore et que la pression pour la Coupe du Monde en France était démesurée. On parlait de sport business tout à l'heure, c'était des enjeux. Évidemment, je suis à fond avec vous et je pense que vous avez sûrement raison dans tout ça. Mais en même temps, vous dites « ils n'ont pas eu le droit de multiplier les contrôles », mais le contrôle qui a eu lieu et qui a fait râler tous les sportifs et l'équipe de France de football était négatif. On n'a jamais eu les résultats. Ah bon? Mais donc vous sous-entendez que certains des Bleus auraient pu être dopés, c'est ce que vous nous dites. Je sous-entends que ces contrôles ont été arrêtés. Vous ne me ferez pas dire que... Alors ça, vous ne le sous-entendez pas, vous le dites carrément. Non, enfin, ça n'a rien à voir. On voit bien que le sport, au plus haut niveau, est un enjeu politique considérable. Quand vous savez que Saddam Hussein et sa bande torturaient les footballeurs pour qu'ils réussissent, entre guillemets, à gagner des matchs, quand vous savez l'importance du sport au niveau international, on ne peut pas se surprendre que même dans une démocratie, par moment, on fasse passer un petit peu sous le boisseau certains tests. Ça me semble évident. Effectivement, Gérard a raison de souligner ça. Le dopage d'État existe. Il existe encore aujourd'hui. Sous une certaine forme, il existe aux États-Unis, il existe en Russie, il existait en Chine. Et on a des Jeux Olympiques en 2008 en Chine. Et j'espère que le CIO sera très prudent. Bon, enfin, vous vous rendez compte, vous comparez la France à des pays qui étaient dans des dictatures absolues, etc. Enfin, là, je vous trouve un peu, vous y allez un peu fort. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait du dopage d'État en France? Est-ce que vous m'avez entendu dire ça? Ah bah oui, non, pas du dopage d'État, qu'ils fermeraient les yeux, quoi. Si les Bleus se sont dopés, on est d'accord, on ferme les yeux, qu'ils y aillent, mais pour qui gagnent. Dopage d'État, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire un dopage contraignant qui est imposé par la force, voire les menaces sur les familles, aux gens qui le sont. D'accord, ok, on n'en est pas là. C'est ce qui existe dans les pays totalitaires, donc je n'ai pas dit ça. Nous, on les laisse faire, mais on dit ça. Est-ce que tu ne crois pas, je ne veux choquer personne, et surtout pas vous, là, vous allez m'attaquer. Est-ce que tu ne crois pas, est-ce que tu ne crois pas que si tout le monde non se mais dope... Non, mais tu te rends compte, là, c'est pas possible. On est choqué, alors là... Tu oublies la santé des sportifs. Mais si tout le monde se dope, alors le résultat est le même, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se sont tous dopés, et on voit quand même quel est le meilleur. Non, mais justement, vous avez raison, mais la question, c'est de savoir si on aime le sport, et c'est mon cas, on a envie d'expliquer comment le sport va. Et le sport va mal, on le dit. Tu as raison. Donc il ne s'agit pas de baisser les bras. Si on baisse les bras, dans ton livre, tu parles du dopage génétique, tu parles du dopage génétique. Tu as l'air de dire dans ton livre, je t'ai bien lu, j'ai passé la nuit. C'est que tu, vraiment... Vous avez pris quoi, oui. Tu as l'air de dire que... De quoi demain sera fait? On trouve chaque jour, ce que disait Laurent tout à l'heure, les moyens de plus en plus sophistiqués pour échapper au contrôle. Eh bien, il n'y a qu'à dire que on laisse faire. C'est une proposition que font certaines personnes avec la question, c'est si on laisse faire les stars du sport système, du sport business, qu'est-ce qu'on fait des jeunes? Quel exemple on donne en bas de la pyramide, sur les centaines de milliers de jeunes cyclistes, de jeunes coureurs, d'amateurs? Si on dit en haut on a le droit, alors en bas on a le droit aussi. Donc finalement la conclusion de tout ça, c'est que si on veut se droguer dans la vie, il vaut mieux être cycliste que n'importe quoi d'autre. Et c'est pour ça, moi par exemple, quand l'autre jour je me suis fait choper en voiture, j'avais l'alcotest, j'avais 0,5 g. Je dis oui mais je suis cycliste. Il m'a dit ah bon, c'est bon, passé. Quels sont les artistes sportifs? On ne va pas vous demander de dénoncer qui que ce soit. Alors, à contrario, en revanche, quels sont les sportifs français, allons-y, français, dont on est sûr qu'ils ne sont pas dopés? C'est des gens, on est sûr qu'ils sont sains. La question de dire quel est le champion français qui n'a jamais pris un produit interdit lors d'une compétition, c'est absolument impossible d'y répondre. C'est vrai?
Même oui. Poulidor qui est arrivé deuxième. Mais dans, dans le vélo, je crois que dans l'histoire du cyclisme et des grands vainqueurs d'épreuves cyclistes, il y a 99% de gens qui avaient un soutien chimique à la performance. Dans le livre, je raconte quelque chose qui est assez... qui est lointaine, mais qui est les aveux de Jacques Anquetil à un moment, quand en 67, dans France Dimanche, en plein Tour de France, il dit « oui, je me dope », et ceux qui disent le contraire sont des hypocrites. Effectivement, tout le livre est résumé dans cette phrase. « Oui, je me dope », ceux qui disent le contraire sont des hypocrites. Allez, les scandales du sport contaminé, enquête sur les coulisses du dopage, c'est signé Éric Métro, c'est chez Flammarion. Merci. Merci beaucoup. Tout autre chose, il y a un an, vous le savez, Laurette Fugain, la fille de Stéphanie et Michel Fugain, décédait d'une leucémie foudroyante. C'est pourquoi, dimanche dernier, à Paris, une grande marche et un concert gratuit ont été organisés par Stéphanie Fugain et son association afin de sensibiliser le public sur l'importance des dons de plaquettes de sang. Mais son action contre la maladie ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui sort le single Combat Combo, une chanson interprétée exclusivement par des femmes, des artistes féminines, des chanteuses, comme entre autres Liane Folie, Jennifer ou Catherine Lara, mais aussi quelques actrices. Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale. Alors pour tester ensemble ce single Combat Combo, que vous trouverez dès aujourd'hui, nous allons tout de suite recevoir Stéphanie Fugain et Liane Folie. Combat Combo sort aujourd'hui. Évidemment, toutes les ventes, tous les profits des ventes de ce disque iront directement à l'association Laurette Fugain. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et puis, ça transite par l'association et c'est reversé pour la recherche, bien sûr, pour la maladie, la leucémie. Pour la leucémie. C'est Liane Folie qui était la directrice artistique de ce disque. Pourquoi vous avez choisi Liane ou comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? Je crois qu'elle nous a choisis surtout. Oui. À l'occasion d'une visite à la maison, elle avait des choses à voir avec Michel et on lui a fait écouter la chanson. Et elle a trouvé qu'elle était magnifique, qu'il fallait absolument l'enregistrer très vite. Oui, c'est au moment où on a décidé de partir d'abord sur le cœur des femmes. Je trouvais ça aussi intéressant qu'on soit que des femmes autour de ce Pourquoi projet. Alors justement que des femmes? Parce que par le combat que mène brillamment Stéphanie, parce que c'est avant tout un combat de mère. Elle parle toujours de cette relation de maternité par rapport aux enfants malades. Bien sûr, les pères sont présents aussi, mais on avait envie de crier vraiment toutes les femmes ensemble, de se réveiller vraiment pour cette cause, en avoir conscience. Et je trouve ça beau. Dans cette aventure, il y a des femmes de tous âges. J'ai appelé les filles de toute génération pour chanter ça et je trouvais que c'était exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais ça, c'est chouette. Je dois avouer que le casting réuni est formidable. Ça va de Jennifer à Lam, à Alice Donna, qu'on voit plus rarement, par exemple. Oui, Nicoletta, Sheila. Nicoletta, Sheila, Mathilde Amé. Oui, oui, avec des actrices aussi, des Michel Bernier, des amis autour de nous. Plein de gens, Mimi. Michel on regarde un extrait du oui, clip. Muriel Robin. C'est parti. Extrait de Combat Combo. Catherine. Oui. Mieux que du pain, mieux que de l'eau. La sève même de ta peau. Personne ne sera de trop. Et que tu chantes bien ou faux. Redonne du cœur à tes mots. C'est le signe de reconnaissance de l'association, le cœur dans la paume de la main. Absolument, oui. Outre, évidemment, l'achat de ce disque que vous pouvez trouver dès aujourd'hui, il faut surtout dire qu'il y a un autre appel à lancer, c'est non seulement le don du sang, mais ça, moi, j'ignorais la différence. Grâce à vous, c'est vrai que j'ai appris la différence entre le don du sang et les dons de plaquettes de sang. C'est deux choses différentes. Nous l'avons découvert également pendant l'hospitalisation. On attendait toujours les plaquettes.
Puis bon, on a vu très vite ce à quoi ressemblaient les plaquettes. Et puis au fil des jours, on se dit, mais c'est quand même incroyable que personne ne connaisse les plaquettes, alors que pour la plupart, on est donneur de sang, on sait à quoi ça ressemble, ce que ça représente. Et ben, finalement, non, nous ne connaissons pas le don de plaquettes, qui est un acte simple, qui est un acte important pour les malades qui sont traités par chimiothérapie, et qui est une petite cellule du sang, qui se récupère donc dans le sang, et qui permet la coagulation du sang. Voilà, les malades qui sont traités sont très souvent complètement démunis de leur défense immunitaire. Et là, il faut leur redonner du sang, des plaquettes. S'il n'y a pas de plaquettes, eh bien, on ne coagule pas et on risque l'hémorragie difficile des fois. Mais alors, est-ce que c'est facile comme ça si on a envie... Allez, demain, j'ai envie de donner des plaquettes de sang. Où je dois m'adresser? Comment ça se passe? Mais ça, c'est assez facile. Je pense qu'il y a surtout une chose qu'il faudrait commencer à modifier, ce sont nos comportements. Puisque les gens sont assez généreux. Mais il ne s'agit pas d'être généreux en se disant « j'ai mis un petit chèque dans une enveloppe, ça part tout de suite et ça va bien ». La générosité, le don de soi, c'est plus que ça. Don de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de soi, donner de son temps, donner de sa vie. Et le sang, c'est la vie. Il faut bien prendre conscience de la responsabilité que nous avons pour tous ces malades qui sont hospitalisés, qui souffrent, souffrent longtemps, sont des maladies très très longues et difficiles. Voilà, je vous demande vraiment de penser à eux. Je donne la parole à mes petits camarades. Thierry, vous vouliez parler, alors allez-y, commencez, tiens. Écoutez, quoi dire devant tant de courage, devant tant de force, parce que... C'est pas du courage, excusez-moi de vous couper, mais je vous assure que le seul courage, c'est les malades qui l'ont. C'est pas du courage, nous, c'est une obligation de faire ça, vraiment. Je comprends, mais bon, vous avez vécu un drame il y a un an à peine, et vous avez le courage de vous... Pour moi, c'est du courage de se jeter corps et âme dans une action aussi importante, dans un combat aussi fort. Et c'est peut-être votre façon aussi, à vous, de faire votre deuil. Mais c'est terrible, je suis désolée, c'est horrible. Ouais, je déteste ça. Comment voulez-vous qu'on fasse le deuil d'un enfant qu'on aime, qu'on a porté, qu'on a fait vivre pendant 23 ans? Mais c'est intolérable d'entendre ça, je vous assure. Je ne peux pas l'entendre. Mais je ne veux pas faire le deuil de mon enfant, ça voudrait dire que... Alors vivre avec ce drame. Mais je vis tous les jours avec. Mais c'est ce qui me donne forcément la pêche. C'est ce qui me donne. J'ai le regard sans arrêt de ma fille. J'ai le regard de tous ces enfants que j'ai côtoyés pendant de longs mois, pratiquement un an. Je les vois encore maintenant. Je les lis. Ils écrivent sur le site qui existe. Et ils sont tellement forts. Ils sont bien plus forts que nous tous ici réunis. Ils sont déterminés. Ils ont envie de se battre. Ils ont envie de gagner. Ils sont tellement contents qu'on mène cette bagarre. Comment voulez-vous que je fasse le deuil de ma fille? C'est impossible. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je vous en veux pas, tout le monde me dit ça, de toute façon. C'est pour ça que je suis en colère, parce que je trouve que c'est complètement con. Excusez-moi. Gérard! Vous avez plus que raison de vous révolter. Et je me demande, lorsque je vous entendais nous mobiliser une fois de plus, à juste titre, pourquoi faut-il donc toujours que nous, tous, et vous aussi sans doute, nous soyons touchés dans notre chair pour vraiment nous dévouer corps et âme à ça. Et c'est vrai qu'on aimerait que ça se fasse un petit peu avant, un petit peu avant le drame qui, évidemment, sûr, peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Mais j'espère peut-être amener ça aussi. Il faut que chacun se retrouve au moins dans une association. C'est assez simple, vous parliez avant de temps. Avant d'être directement concerné. De se retrouver dans une association. Il y a énormément de gens qui y sont. Il y a beaucoup, beaucoup de... Là, derrière l'association Lorette Fugain, on a mobilisé énormément de jeunes. Donc, c'est un énorme bonheur pour moi, parce que c'est vraiment vers eux qu'on doit aller et essayer de faire bouger les choses, les transformer. Et ça me rassure, ça me réchauffe, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Claude Sarraute. Je crois, Stéphanie, que tu fais une œuvre qui, au-delà des leucémiques, pour qui c'est vraiment une question de vie et de mort, chaque minute qui passe est dramatique, mais la baisse des dons du sang dans ce pays est complètement catastrophique. Oui. Elle est catastrophique. On ne l'explique que par l'histoire du sida. C'est un triste anniversaire aujourd'hui, Gérard l'a rappelé, il y a 20 ans maintenant. Oui, oui. Et les gens n'ont plus voulu donner leur sang. C'est épouvantable. Oui, non, mais je voudrais vous rassurer, c'est que vraiment, c'est fait dans les normes, c'est tout à fait sécurisé, c'est stérile. Et il faut y aller, il ne faut pas du tout en avoir peur. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Donc, bon, là, on mobilise encore une fois les jeunes. Et le don de plaquettes, c'est un peu plus long, ça dure une heure et demie. C'est le même procédé, simplement, au bout de votre bras, vous avez une petite machine qui s'appelle un séparateur et qui va séparer les plaquettes de votre sang. Mais vous êtes tellement content quand vous sortez, parce que la poche de plaquettes, elle va directement chez le malade, tout de suite. Oui. Vous vous rendez compte comme c'est riche, quoi. C'est important d'en prendre conscience. Valérie Mérès. Ben moi, je vous jure que je vais aller donner
les plaquettes. C'est toujours... Je sais pas pourquoi, je deviens idiote quand j'aime les gens et je m'émeus. Moi, j'aime cette femme à chaque fois que je la vois parler. Et là, je l'ai en face, alors évidemment... On va tous pleurer. Non, mais je suis désolée, je suis gourde. Hein, je suis non, comme non, ça. Pas du tout, non. Tu l'as dit, tu es gourde quand tu aimes les gens. C'est vrai. Voilà. C'est l'atmosphère. Et donc... Une bonne gourde de sang, voilà ce qu'il faut amener. Voilà. Un peu d'humour. Une bonne gourde de sang. Amenez ça à l'hôpital. Voilà ce qu'il faut amener. C'est des femmes comme ça que j'ai envie de suivre. Je suis à vous quand vous voulez. Bienvenue. En tout cas, si le cœur des femmes est ici, nous ici, le cœur des hommes est là et on vous le donne. Oui, mais... Yann Folie, vous connaissiez la famille Fugain oui. depuis longtemps. Oui, on se croisait plus ou moins, on se voyait de temps en temps, mais on ne s'était pas encore rencontrés, vraiment. Mais maintenant, on se connaît vraiment maintenant, bien. Maintenant, on se connaît, je pense, assez oui. bien. Parce qu'on a encore de nombreuses choses à faire. Oui, on va continuer à travailler avec toute l'équipe artistique autour de ce projet. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a eu la chance, ça aurait pu nous arriver en faisant un autre métier, mais on a eu la chance de faire un disque. Un disque, ça génère énormément de fonds et on avancera plus vite, voilà. Et c'est la chance d'être dans ce métier aussi qui nous fera peut-être aller un tout petit peu plus vite. Voilà, voilà disons qu'on se sert de ce module oui. pour la communication, pour faire voilà. avancer les choses. On ne fait pas de show business, on fait vraiment non. de la communication et un appel. C'est le moyen le plus rapide oui. de faire passer le message. Donc c'est sur TF1 à 1h30 qu'on mmh. verra le concert. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu quand même un concert le week-end oui, dernier. Mai. Pas de chance sous la pluie. Ah oui, hein. mais c'était non. magnifique. Enfin, bon, le soleil était dans les cœurs. Oui. Oui. Mais vous aviez des trompes d'eau. Pour, oui. Mais il y avait des gens quand même qui étaient là pour vous applaudir et vous encourager. Ah oh oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de jeunes gens. Oui. On a été très touchés. Et beaucoup d'artistes qui avaient vraiment oui, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, qui oui. n'ont pas bougé pendant oui, oui. des heures et des heures. Oui, oui, vraiment, je les remercie oui. encore. Merci à vous, Stéphanie Fugain, Yann Folie. Est-ce que vous restez avec nous pour jouer un peu? Oui, oui, oui. Allez, on va jouer. Au petit cas dit quoi? C'est parti. Yann, vous connaissez le principe du jeu? Le qui a dit quoi? Oui. Alors donc, on va lire des extraits sur des journaux, c'est ça, voilà. et on va savoir qui a donné cette phrase dans le journal. On va jeu. Savoir, on va savoir. Vous avancez. Je vous demande de savoir. Mais... Il faut deviner. Bah, oui, moi je vais deviner. On va deviner. Alors allons-y. Première alors, déclaration. On laisse à nos invités 3 secondes d'avance. Ce qui se passe actuellement avec moi ressemble à une réaction du public face à ce qui nous sert de télévision. C'est un homme politique ? Non, pas un homme politique. Un top modèle ? Non. Une chanteuse ? Non, un chanteur, oui. Chanteur. Un chanteur. C'est un chanteur assez d'une autre génération, on va dire. Non, plutôt jeune, jeune. Qui se lance. Jeune. Qui est... Ah, qui se lance. Oui, qui est connu depuis un an et demi maintenant. Ah, il est connu de l'air. Il vient du château. De l'air. Vincent Delerme. Oh, bravo. Il l'a dit. Oui, alors. J'étais au Bataclan cette semaine et jusque samedi soir. Super. Je le disais depuis plusieurs minutes. Non. Mon talent. Prenez un porte-voix, comme dans les manifestations, Gérard. D'accord. Autre qui a dit quoi? La Starac. Si cela peut générer de l'argent pour financer des projets plus intimistes, pourquoi pas? Ah, c'est alors, est-ce que c'est un chanteur ou... Pas bête, hein, ce qu'il dit, ce chanteur. C'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. Julien Clerc. Bravo, Gérard ouais. Muller. C'est Julien Clerc. Dans le nouvel album, sort aujourd'hui. Album de jazz, vous allez aimer ça. Oui, j'aime beaucoup, j'ai déjà entendu des extraits. Entendu ouais, ouais, ah, c'est pas mal. Et c'est ma deuxième bonne réponse. Bravo, Gérard Muller. Merci, Gérard. Bon, attention, là, il va falloir faire vite parce que le prochain qui a dit quoi est très facile. Un jour, je reviendrai au PSG, on dit jamais 203, non? Fernandez. Luis Fernandez, bravo, Yann Folie. Je notais la réponse de Claude qui a dit Basile Boli. Mais non, mais attends. C'est pas la peine de m'enfoncer. Basile Boli, tu n'as jamais joué au PSG, Claude. Non, je sais, mais il a fait une déclaration quelque part sur je ne sais quoi. Ou bien, s'il n'a jamais joué au PSG, comment voulez-vous qu'il revienne une troisième fois? J'ai pensé peut-être comme entraîneur, voilà. Très bien. Ah oui, ça c'est bien, c'est vrai. Ça faisait pas une troisième fois quand même, Claude. Ne vous enfoncez pas. Il a dit une connerie, Claude. Oui, mais c'était pas à lui de la relever quand même. Personne ne l'avait entendu. Pour une fois qu'il peut relever quelque chose, Claude. Yann Folie et Stéphanie Fugain sont venus oui. nous présenter, nous parler, entre autres, ce soir du combat de l'association Laurette Fugain et de la sortie de ce disque. Vous le trouverez chez tous les bons disquaires, comme on dit. Hein. Oui. Combat, combo. Merci à toutes les deux. Merci à vous. À demain, à 18h50. Bye bye.